Je m'appelle Ingrid Lepan, je suis photographe de mariage essentiellement, de famille et de couple. Je suis basée dans le sud de la France. La photo pour moi, c'est une reconversion professionnelle que j'ai faite sur le tard. J'ai toujours aimé la photographie, mais je ne l'avais jamais envisagée en fait comme un métier. Jusqu'à ce que finalement la passion prenne vraiment le dessus et que pendant quelques années je fasse deux métiers distincts ensemble et que la photographie prenne une place tellement importante pour moi qu'il a fallu faire un choix. J'aime énormément rencontrer les gens qui m'expliquent un petit peu leur parcours, etc. C'est quelque chose que je n'avais pas vraiment dans mon autre métier et qui m'a donné l'envie de continuer là-dedans. La première chose qui me caractérise le plus, c'est le reportage. J'aime avant tout que les choses restent assez naturelles, qu'elles ressemblent aux personnes que je suis en train de photographier. Ce qui m'inspire le plus, c'est la relation humaine. C'est tout ce qui concerne l'histoire des gens. C'est mon moteur principal. Ensuite, évidemment, comme nombre de photographes, je suis une passionnée d'images. Donc, je trouve de l'inspiration dans des films, dans des vidéos, un peu tout, nature, etc. Je lis beaucoup. Je regarde pas mal de reportages d'autres collègues, français, étrangers, peu importe. Ce que j'aime faire pour me détendre, me reposer, vraiment me retrouver un petit peu, c'est m'occuper en fait de mes jardins d'intérieur. C'est une passion que j'ai. Et donc, rempoter mes plantes, en acheter de nouvelles, être certaine de les faire vivre, c'est quelque chose qui me permet vraiment de me détendre. J'aime énormément utiliser la lumière, donc parfois avoir de très très beaux contre-jour, des lumières très douces de fin de journée. Mais j'aime également beaucoup me servir des lumières, ce que j'appelle un peu roots, sombres. Utiliser des lumières qui viennent d'une partie de la pièce et rendre la scène assez intime. Techniquement, en fait, je sous-expose un peu afin de mettre en avant quelque chose, un détail. Ce que j'aime beaucoup, c'est déjà mettre en avant du grain. Au niveau des couleurs, je suis à l'opposé du style pastel un peu argentique. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est contraster les couleurs, avoir un rendu tout de même assez fidèle, mais j'aime beaucoup intensifier, et d'ailleurs c'est assez le cas aussi dans mes noirs et blancs. Ma priorité absolue, c'est d'avoir une photo qui est techniquement déjà réussie dès la prise de vue. Quand je dis techniquement, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit bien exposée. Si je désire avoir une photo relativement sombre, c'est ce que j'expliquais un peu plus tôt, je la sous-expose déjà de base. Le sud, pour moi, c'est important parce que les luminosités sont très différentes des autres endroits. C'est doux. Même les couchers de soleil sont différents. J'ai déjà eu l'occasion de me balader dans d'autres régions. C'est très beau, c'est très agréable, mais le sud, c'est très particulier pour moi. La photo me permet vraiment d'être non pas une maman, mais Ingrid en tant que personne créative, et dès que je rentre, ça me permet de me ressourcer auprès des miens. Je trouve l'inspiration dans le regard de mes enfants, dans leurs moments avec moi, ou en famille, avec mon mari. Je trouve aujourd'hui que dans la photo de mariage, une des qualités vraiment nécessaires, c'est d'être très à l'écoute de nos clients, même si j'aime pas trop ce mot, mais c'est vraiment ça. Le plus important, c'est être à l'écoute, savoir dire parfois non. Il m'arrive en fait de dire à des clients que je ne suis pas faite pour eux. S'ils me disent oui, j'aimerais quelque chose de fondamentalement très très posé, etc., je sais que je ne serai pas la bonne photographe pour eux. Donc je pense qu'il faut arriver à avoir un style, se démarquer dans un sens, pas accepter tout type de clients, ceux qui ne nous ressemblent pas tout simplement.